Allez. Dominique ? Dominique ? C'est clair. Ah oui, c'est là, c'est la forme comme ça. On voit les inscriptions. Voilà, c'est la forme de petite sœur. Chacun de l'autre côté. Et vous allez la déposer là. Attention. Ça va? Vous m'entendez? J'étais jeune à l'époque et bientôt, comment dirais-je, des jeunes gens issus d'une génération plutôt récente avec un esprit d'entrain, un peu bagarreur sur les bords, sont montés un jour avec un appareil spécial pour remettre à la place de la croix la vraie fleur de lys. La fleur de lys sculptée par l'un d'entre eux qui habite ce pays. Et ainsi, ce monument témoigne pour longtemps, je l'espère encore, témoigne du sens profond, des raisons qui ont fait que Stefflet, et lui Stefflet, c'est indéniable, il est le seul, et dès la Jaunée, par ses, comment dirais-je, commissaire interposé, et il est seul, le seul en 2 mai 1995, à demander le retour du roi. Ce qu'on pense, est-ce qu'on gardera cette république ou est-ce qu'au contraire on va faire appel au roi? Il est le seul officier à faire ça. Voilà, il est donc profondément catholique, comme le sont les Lorrains, et il est profondément royaliste. En tout cas, lui, il en a fait la preuve jusqu'au bout, ainsi que Charette d'ailleurs, il n'y a pas de problème, on ne va pas les opposer sur ce sujet-là. Et donc, en 69, un peu après les années 69, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, cette fleur de lys a remplacé, et elle signifie, n'est-ce pas, le combat profond de Stefflet, qui est d'ailleurs rappelé sur cette colonne, il est mort en obéissant pour Dieu et le roi, et que c'était le sens profond de toute sa vie. Je n'ai de propriété que mon sang et ma vie. L'un et l'autre, après Dieu, appartiennent à mon roi. Je vous remercie.